Salut tous, salut et bienvenue dans l'épisode 3 interdit de respawn. Sinon tu dévoiles un message. Donc en gros c'est simple le concept. Celui qui tombe ou celui qui respawn doit tout simplement dévoiler un message. Parce que forcément quand tu tombes, bah tu es obligé de respawn. À part si tu tombes et que, enfin en gros tu es obligé de prendre le point pour, enfin t'es obligé de respawn pour avoir le point. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, la salle, est-ce que t'es prêt pour cet épisode 3? Je suis ready, steady. Il est ready, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à devenir membre, là on est de plus en plus nombreux, merci à tous. Et aussi la salle, ce que j'ai à dire aussi, bah c'est qu'ils me suivent sur Instagram, voilà forcément. Et ensuite hop, je prends ma caméra, je la mets ici, et on se retrouve tout de suite, du coup, pour la vidéo. Tu la mets jamais dans ton anus? Jamais. Faudrait y songer à un moment donné. Ok, c'est parti, la salle, parcours en moto comme d'habitude hein, pour aller interdit de respawn. Et je te mets au défi de ne pas respawn, sinon tu vas malheureusement, la salle, dévoiler un message. Et ça, ok. On veut des messages croustillants aujourd'hui, la salle, on veut que tu tombes. Donc, ok, donc il n'y a pas de temps. Hein. C'est-à-dire? Bah, il n'y a pas de temps, quoi. Ah non, non, par contre, ouais, le créateur, il a dit qu'on pouvait finir en moins de 15 minutes, donc c'est un baban qu'il a créé, donc, écoute, je sais pas, mais tout ce que je sais... C'est qu'il faut pas respawn. Voilà. Ok, man. Bah oui. J'ai envie de dire. Oula, logique. T'es tombé. Ouais, je suis tombé. Et du coup, le dernier message. Petit, j'étais persuadé que la Leila. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai... Wow. Pourquoi t'as envoyé ça, toi? Je sais pas, j'ai des délires bizarres. Je sais. Ouais, bon. Nous n'allons pas te juger et juger tes SMS douteux. D'ailleurs, t'es pas tombé. Non. Tandis que moi, le facteur n'est pas passé, j'ai failli tomber. C'est quoi, j'ai passé à la gauche comme toi. Est-ce que tu penses que c'est genre le cerveau qui dit je vais à gauche ou c'est toi? Tu vois comment? Genre le cerveau, c'est automatiquement, toi. Il dit je vais à gauche. Non, c'est toi, tu choisis la facilité. Ce qui te semble plus logique, facile. Quand t'arrives, tu vois. Là, par exemple, tu vois, j'arrive et je vois qu'à droite, c'est long. Et je vois qu'à gauche, c'est court. Bah forcément, j'allais aller à gauche, quoi. Bah, c'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Ok, ouais, c'est hard. Hein. Il a dit que c'était hard, hein, donc... Là, par contre, là, tu tombes ici, t'es mal. Tu vois. De tout refaire? Ouais, là, t'es mal, je pense. Enfin, je pense. Mais non, une nuit de mai, non, tu tombes pas ici. Bah non. Tout simplement. Tu tombes pas, mais si tu tombes, t'es mal, quoi. Par contre, toi, je sens que tu vas pas tomber. Je sais pas pourquoi. Si, si, là, ça y est, là, il y a des trucs fins. Avec des instabilités au niveau. Au niveau du Weekend Berlin, si tu veux dire. Ouais. In the West, les gars. Forcément. Au niveau du quadrillage. Ouais. Ce qui fait qu'il y a moyen de tomber ici. Ah, planage. Planage. Oh, lol. Ah oui, bah, alors on a le droit de tomber à l'atterrissage. Ah oui, ça, oui, ça. Ouais. Écoute, pour l'instant, il n'y a que des trucs fins. Et il y a encore, il a l'air d'avoir des trucs fins après, tu vois ou pas? À l'atterrissage, on décolle, mais de façon très violente. Tu t'appelles Joe d'une façon Weekend Berlin in the West. Ouais, bah forcément, j'ai envie de dire. Oh oui. Tomber. Allez, dis-nous des messages un petit peu croustillants, un petit peu... Bah j'ouvre. Alors c'est Skype, message, ça peut être tout. Hein. Que moi j'ai envoyé ou qu'on m'a envoyé? Bah non, que t'as envoyé quoi. Hein? Que moi j'ai envoyé. Ouais. Oula, attends. Ah, j'ai envoyé un.
Wouah, plus Ah croustillant là bah ça. c'est le dernier. Ah oui, c'est le dernier. Ok, pas de soucis. En tout cas, pour l'instant, je ne tombe pas. Oh non. Je ne tombe pas, mais non, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, là, ça, les trucs fins. Je veux pas lire, mais ça, c'est stressant, quoi. Tu sais qu'à l'époque, les points comme ça, la salle, j'arrivais pas. Tu te Pourquoi? souviens ou pas? Les trucs fins comme ça. Comment je restais bloqué Ah! longtemps. Ouais, mais il y a beaucoup de choses que t'arrivais pas. Ouais, les transferts de Wallride, tu vois, je commence à. Tu vois? Je commence à Arrache-kit tester. dedans, ouais, c'est Non, vrai. non, ça dépend. Si le gars il a un transfert de Wallride, ouais, je le fais. Mais si un transfert de Wallride, après t'as un obstacle, après t'as un autre transfert. Mais non, là, non, non. Passe vite. Non. Bah non, les trucs fins, tu peux pas passer vite. Enfin, sinon, tu prends le risque de recommencer, quoi, mais. Tu prends le risque de respawn et de dévoiler un message, quoi. Surtout. C'est ça le truc. Pas recommencer. N'oublie pas la salle quand tu tombes. Ah ouais, c'est long, ouais. Oh. Là, par exemple, je sais que je tombe ici. J'aurais mal à dévoiler le message. Enfin, j'aurais mal, du mal, et j'aurais mal aussi parce que je vais recommencer tout. À dévoiler mes singes, comment ça? À dévoiler le. T'as dit à dévoiler mes singes. Ouais, je sais. Allez, j'ai envie d'acheter un. J'ai envie d'acheter un singe en plus. Ok, je prends. Après, c'est de la concentration, les gars. Donc, Mais forcément. si c'était autorisé, t'en aurais acheté un? Ouais. Franchement, ouais. Mais c'est interdit, je crois, en France, non? Ouais. Toi, t'en aurais acheté un? C'est d'être stylé d'avoir un singe. Après, faut en prendre soin et tout, mais ça doit être trop Bah stylé. ouais, pourquoi pas. Mais je pense que j'aurais pris aussi une personne pour s'en occuper, parce qu'à mon avis, ça doit être pire qu'un bébé, hein. Ouais, bah après, c'est intelligent. Tu vois, Ouais, aussi. intelligent, mais pour faut s'en occuper hardcore. Hein. Enfin, je pense, je sais pas en fait. Ah bah ça. Je peux pas te dire la salle. Tout ce que je sais. C'est que pour l'instant, je ne Tu te tombe pas. retiens. Et ça, c'est limite, je peux rush le parcours, quoi. Ouais. Franchement, c'est pas. Tu vois? C'est pas hard, hein. Genre là, je suis vraiment à fond, la salle. Par contre, après, il a l'air d'avoir des trucs. Des trucs bulles bizarres. Non, c'est bon. T'es passé à la salle? Ah ouais, je suis dans le, tu sais, les pancartes. Me dis pas qu'il y a un Weekend Bruins in the West forever and ever. Oula, il y a un saut. Il y a des sauts bizarres et des trucs bizarres. Ah ouais, t'es loin, toi, waouh. Bah, tu sais que je suis en train d'enchaîner le truc. Ok. T'as pris la confiance, quoi, c'est ça? Surtout, je me dis, faut y aller doucement, quoi. Ok. Hein? Mais non. Quoi? What? Non, De quoi? c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, figure-toi que je suis dans le point final. Ah, déjà! Ok. Je vais tester un Pas mal. truc. Je vais tester un truc, les gars. Rien. Je t'attends, quoi. T'es tombé ou Ouais, je suis tombé. Je suis deg. qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu fais quoi? T'ai pas eu. J'ai essayé de t'aider comme la salle, non. Ah, Merde, oh là d'accord. là, je suis tombé. J'avais Bon, pas bah, je vais devoir compris. dévoiler un message. Je suis tombé. Moi aussi.
Sérieux? Ah bah non, qu'est-ce que je dis? Je suis pas tombé, moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as envie de dévoiler un message? Tiens! Oui! On dévoile un message chacun. Tu sais quoi, je finis la course. Comme ça, en fin de vidéo, on peut dévoiler un petit message. Allez, c'est quoi la salle? On se dit, parce que là, tu vois, c'était quand même assez simple. Est-ce qu'on dévoilerait pas un petit message croustillant, la salle? Allez. Je sais qu'il y a des trucs pas mal. Non, attends. J'ai des trucs. J'ai un truc avec une meuf. En gros, cette meuf, elle était. Enfin, bref, je sais pas si je peux le dire. Parce que je sais qu'il regarde mes vidéos des fois de temps en temps, le gars. Ouais. Il était à l'hôtel avec une fille. Donc je lui ai dit. Est-ce que. Alors, attends. Est-ce que t'as trempé les biscuits? Ah ouais. La prochaine fois, on fait un plan à 3. Voilà. C'était sur Snap, là, ça. Et toi? Et moi, c'était le message que j'ai envoyé. Sa grande et magnifique tante. Hein? J'ai envoyé sa grande et magnifique tante. Tante, genre une... Sa tante, une... Enfin, la tante, ou genre une tante de... Ouais, la tante, une personne. Ah oui, pas mal. Donc, on sait pas c'est la tante de qui, mais... Pas mal. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que cet petit épisode vous a plu. On n'est pas trop tombé. On est tombé 2 fois chacun. Et bah après, ce qui prouve qu'on a, tu vois, on a un petit peu de talent, on a un petit peu de niveau. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis encore une fois, voilà. La salle, t'as un petit mot à dire à la fin? Ah oui, sa grande et magnifique tante. Et bah à quand le plan A3? C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Et voilà, puis c'est tout quoi.